Achille Chavet, Paul Éluard, Marcel Marien, Paul Bury, Magritte, la province de Hainaut réunit des stars du surréalisme à la Louvière Métropole Culture 2012. On ne sait pas toujours, mais le surréalisme résonne très particulièrement par rapport à la Louvière, puisque c'est à la Louvière qu'en fait, en 1935, il y a eu la première exposition en Belgique sur le surréalisme, portant le titre « Le surréalisme », dans une galerie qui n'a disparu que depuis peu de temps, qui était les tendances contemporaines. L'exposition « Un abécédaire pour la Louvière » est présentée au centre de la gravure et de l'image imprimée. 172 œuvres et 162 documents sont à voir. Ces trésors sont issus de trois collections, celle de la province de Hainaut, celle de la ville de la Louvière et celle du centre de la gravure. Il y a eu cette volonté de faire une exposition autour du surréalisme, dont le champ d'investigation sont uniquement les trois collections. Sortir des joyaux de ces collections, de les présenter, et la province est adressée aux spécialistes en matière de surréalisme, qui est Xavier Canon, pour en être commissaire, qui a choisi un parcours très inédit, qui est donc une sorte d'abécédaire. Donc on rentre en fait dans l'exposition, pas du tout d'une façon chronologique, d'une façon habituelle, telle qu'on a pu le voir dans d'autres expositions, mais comme ça, par un fil un peu différent, et avec des regroupements d'œuvres autour d'un artiste, ou bien autour d'un mouvement. Et cette espèce d'amorce en abécédaire rend peut-être, pour les jeunes qui voudraient découvrir le surréalisme, rend l'exposition peut-être plus digeste finalement, plus intime, parce que les regroupements sont autres.